Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve pour la suite de nos aventures dans Spiritfarer. On venait de débloquer un nouveau pouvoir. On était au sommet Brunoir, comme demandé par Bruce et Mickey, et on va tout de suite aller voir ça en jeu. Et donc, on a gagné un nouveau pouvoir. Donc, j'ai pas joué depuis la dernière fois. Donc, si je me souviens bien, c'est avec. Voilà. Avec. Donc faut attendre que ça se recharge avec la petite lanternelle qui lanterne et on peut faire des sauts sur le côté. Ça nous rajoute pas mal de possibilités du coup. Avec les différents pouvoirs. Je sais pas si on peut les combiner. Genre est-ce que je peux faire. Alors là j'étais de ce côté-là. Est-ce que je peux lui dire je veux sauter de l'autre côté? On va tester un peu. Hein. On peut visiblement combiner. Il va falloir un petit peu d'apprentissage, mais on peut. Je pense que si. Voilà. Typiquement, je peux arriver jusqu'ici en ayant juste sauté. Ok. Il me manque une petite hauteur pour pouvoir sauter comme ça, mais on t'a parlé, toi? J'ai planifié ce voyage pour faire voir des geysers pendant des années. Mais après avoir monté mon campement, j'ai compris. Mon comportement irréprochable m'empêche de regarder à gauche. Quelle erreur, stupide. Dis-moi, est-ce que le geyser est aussi impressionnant que les sons qu'il fait? Alors je pense que je vais vous monter un petit peu le son. Est-ce que je l'entends pas des masses? Et du coup, oui, c'est aussi impressionnant. Pourquoi tu me dis ça? Maintenant, je suis encore plus fâchée de ne pas pouvoir le voir. T'as qu'à regarder à gauche, hein. Et si vous faites attention, on a le. Les. Les esprits sur le côté, dans le ciel. Les esprits de nos amis. Ah. Ok, je pense que je peux pas aller jusqu'en haut. Oups. Ça me paraît compliqué d'aller jusqu'en haut. Ah, quoi qu'on va peut-être pouvoir en montant et descendant petit peu par petit peu. Hop. Je l'ai loupé. On va attendre que ça remonte. Oui, donc cela, c'est d'où on vient, tout à fait. Donc avec le sanctuaire, c'est parfait. Est-ce qu'on a moyen d'aller plus haut? Je pense pas. C'est jamais, hein. Sur la droite, par exemple. Ah, peut-être qu'on peut y arriver. Le problème, c'est qu'on descend quand ça descend. Ok, donc je peux y arriver, mais il n'y a rien de plus à voir. On peut pas récolter les arbres. Tiens, j'ai encore un truc pour monter.
Je vois pas d'endroit qui nous permette de monter. Ah, si. Oh. Tempellerie. Attends, comment es-tu venu jusqu'ici? Oh non. Tu as parlé à cet idiot, n'est-ce pas? Je suis sûre qu'il a rempli ta tête avec toutes ses fausses bêtises. Celui-là est dangereux, je te le dis. Je te gage qu'il t'a fait déposer une offrande à ce sanctuaire bidon, hein? Alors ouvre les yeux, espèce de mouton, parce que ça, c'est le vrai sanctuaire de Saint-Élan. Vois sa grandeur. Vois sa perfection géométrique. Oui, fais une offrande ici, et une vraie bénédiction t'attend. Qu'en penses-tu? Seulement 2 oboles. Ah! Je sais pas, j'ai pas envie de gâcher mes oboles, mais en même temps, je me dis que. Que. On va peut-être tenter. Ça vaut peut-être le coup de tenter. D'accord? Allons-y! Ô grand élan tout-puissant, bénis cette fille de ta plus puissante bénédiction. Bon, c'est étrange. Je te jure que ça n'est jamais arrivé. D'accord, je vais te donner ça. Mais promets-moi que tu le diras à personne. Ok, donc on a récupéré nos oboles et en plus on a eu un collier, c'est parfait. Par contre, du coup, je m'attendais à ce qu'on puisse un peu interagir avec cette personne et pas plus en fait. Donc, c'est pas très grave, hein. On va descendre ici. Je pense qu'on peut descendre là. On a l'air d'avoir fait le tour. On va pouvoir rejoindre Bruce et Mickey. Oui, je me laisse tomber. C'est pas grave. De toute façon, on va reprendre le bateau. Et on va aller voir ce que Bruce et Mickey ont à nous dire. Bah visiblement rien du tout. Ah, j'ai du courrier, je sais pas depuis quand, mais j'ai du courrier. C'est vrai que j'y regarde jamais, mais là je vois du courrier. Alors, une brochure quelconque jaunit avec l'âge. Et toi, es-tu blessé? Es-tu malade? Es-tu riche? Alors viens à Overbrook, le seul arrêt pour combler tous tes besoins en santé. Nous avons une équipe médicale experte à la fine pointe. Ouais, à la fine pointe. À la pointe de la technologie, peut-être plutôt. Et de la cuisine gourmet servie dans notre cafétéria moderne. À bientôt! Ok. Donc, on a Bruce et Mickey, comme prévu. Comme je disais, il va falloir que tu t'impliques dans notre organisation. Si jamais cette opération survit, il va falloir qu'on fasse quelque chose de gros. Un gros coup. Ça fait un moment que je prévois ce boulot avec mon frère. Il ne veut plus le faire maintenant. J'ai besoin que tu t'impliques et que tu m'aides. Alors, écoute, voici ce qu'il faut faire. J'ai besoin que tu fasses une réserve de carottes. Ouais, c'est ça. Tu as bien compris. Des carottes. Et je parle pas de quelques-unes. Je parle d'une sacrée tonne de carottes. C'est ce qu'il nous faut pour ce boulot. Et si ça te paraît fou, c'est pas grave. T'as pas besoin de tout savoir. C'est pour ça que c'est moi qui mène le bateau. Ok, on va faire quelque chose avec des carottes. Je vais aller voir si Francis peut nous donner des carottes. Il a une nouvelle course. Merci Francis. Alors, est-ce que j'ai des choses à vendre? Je peux vendre le dessin de Bruce et Mickey. Stanley a vraiment bien reproduit les yeux, la colère, la douleur. Eh ben, je te vends. Je vends mon anneau précieux, je vends pas mon permis bovin. Faut que je m'en trouve un deuxième pour acheter une deuxième vache. J'ai dit que je gardais quelques souliers pour faire des trucs chelous dans la forge. Et on va vendre tous
ces trucs-là, est-ce que j'ai de la viande carbonisée ou des trucs du genre? Ah, j'ai des coquilles vides à foison. Je m'en garde toujours un petit peu au cas où ça serve à quelque chose, mais. Voilà, est-ce que j'ai de la viande que j'aurais loupée, du repas tout foireux? Non, visiblement, j'ai pas raté de repas depuis un petit bout de temps, donc tout va bien. On a du minerai d'or, c'est cool. On va pouvoir faire des choses avec de l'or, et on a des bûches de pain, c'est cool aussi. Alors, mon cher, du coup, tu me revends ce que j'ai d'acheter. Je peux acheter des graines, je peux acheter des bouteilles vides. J'en ai encore des bouteilles vides. 168, j'en ai largement assez. Alors. Ah! Les lueurs viennent des tomates. Peut donner de l'ail et des tomates pour avoir des échantillons de graines du champ. Et 10 000 lueurs. Ça vaut le coup. Sachant que il y a des choses qu'il faut que je teste avec l'ail et les différentes choses, mais je pense que je peux donner ça sans souci. Et faire la même chose avec peu de calories, beaucoup de lueurs. Donner 3 oignons et 3 ails. Pour avoir un échantillon de graines du jardin. Le reste, qu'est-ce qu'on peut faire? Le saumon, c'est toujours ma veine. Je peux donner un peu de minerai de pulsar. Il faudrait que je retrouve de la flamboyante. Je vois que j'en ai plus beaucoup. Oui, je peux faire ça. Sachant que normalement, je dois pouvoir les vendre, hein, mes pierres précieuses. Je le fais jamais. J'ai pas assez de poire. J'ai pas beaucoup de gelée scintillante, je vais pas le faire. Et j'aurais pu faire ça avec du fil de lin. On est comment niveau lin? Lin, tissu. Fil de lin, on en a 8. Mais on a 17 en fibres de lin, donc on va pouvoir faire ça tout de suite rapidement. On a dit de la fibre de lin. On va faire un petit peu. Voilà. Ça va nous permettre. Je vois que j'ai des. Non, c'est des carottes. C'est que des carottes qui sont mûres. Ok, c'est pas de la graine à acheter. Donc on va faire ça. De la laine et du lin pour avoir des capes de métal. Sachant qu'on a vu que les capes de métal, on pouvait les faire nous-mêmes. Mais c'est toujours ça de prix. D'ailleurs, du coup, j'ai dû faire ça. Voilà. Pour remettre les moments de la journée. Alors, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre ici la canopée obscure, on est déjà allé. Ici, on a tout trouvé. Il y a des caisses. Il y a du minerai de pulsar. On va aller jusqu'aux caisses. Et on va du coup essayer d'avoir des carottes. Et on va aussi essayer d'avoir de la nourriture. De finir de découvrir les recettes. Sachant que bien évidemment, il faut que je nourrisse tout le monde. Donc on a vu qu'on pouvait planter de l'ail et qu'on pouvait planter de l'oignon sans trop de crainte. On va en avoir besoin. Je replante un petit peu de lin parce que je viens de manger. Et je cours vite vite parce que. Ma manette vibre et me dit qu'on est arrivé aux caisses. Et je précise du coup, parce qu'on m'a fait la remarque dans un épisode précédent, qu'effectivement, ça m'arrive de mettre le voyage avec plusieurs étapes et de pas faire gaffe, et que du coup, on loupe des étapes. Parce qu'on ne s'arrête pas automatiquement à toutes les étapes, sauf si y a une raison valable pour laquelle on s'arrêterait, hein, une quête,
ou la fin du voyage. Et effectivement, en fait, pour les caisses, ma manette vibre. Donc, les caisses, je les vois. Alors que les villes, on n'a pas le même système. Donc, ça m'arrive de ne pas voir que y a une ville et qu'on serait passé. D'ailleurs, du coup, l'objectif c'était la caisse, donc on est arrivé. Mais du coup, ça m'arrive de pas voir qu'on est arrivé à une ville et puis du coup de la louper. Ok, bon, visiblement pas grand-chose ici. Ici, on a Overbrook, du coup, bah, je vais y aller. On va y aller, bah, du coup, comme je vous disais, en faisant deux étapes. Et on a Stanley qui veut nous voir. T'es où, Stanley? Je réfléchissais à ma pièce de théâtre. Et comme les gens n'ont pas aimé ça, c'est correct. Comme maman disait, tout le monde a droit à son propre oignon. Je suis plus fâchée ou triste à cause d'eux. Je suppose qu'il y a des choses qu'on peut ne pas contrôler dans sa vie, hein? Comme grand chapeau. Je crois que je peux pas rester ici plus longtemps. On devrait aller au seuil éternel. Viendras-tu avec moi? Je crois que j'ai peur. Je n'aime pas beaucoup les nouveaux endroits. Mais si tu es avec moi, je crois que ça ira. Oh, déjà, on a déjà fini la quête de Stanley. Oh. D'accord. Tu es capable. On compte sur toi ici. Montre-nous de quoi tu es capable. Prête. Faisons ça. Regarde ça, Mickey. Donc là, du coup, on a un event, donc. Concentre-toi, Chobiti. Ils sont où? Pétain. Voilà. Je l'aurais pas. Oh, salaud. Je veux t'attraper. C'est quand même bien foutu ces trucs qui. Je vais redescendre un peu. Ils sont vicieux, ils s'enfuient. Je ferai peut-être en off un petit épisode d'optimisation de mon bateau aussi. C'est pas grave. Donc voilà, je disais, là on a eu un event, et donc Bruce et Mickey nous ont fait nous arrêter. Mais pour les villes, si on n'a aucun PNJ qui veut s'arrêter, eh ben on ne s'arrête pas. X. Et d'ailleurs, j'en profite. La dernière update, celle de Jackie et Daria, est sortie. Donc pour l'instant, on les a pas encore croisés. Hein. Mais on devrait pouvoir les croiser à un moment. Qu'est-ce que c'est que ça? Voyons donc ce boulot. C'était pas pour des carottes. C'était pour des pêches. Qui veut des stupides carottes? Comme si j'allais avoir besoin de carottes pour ce boulot. C'est stupide. Il faut que tu corriges ton erreur. Et vite. Le boulot, il dépend des pêches. Beaucoup de pêches. Casse-toi. Et on découvre Overbrook.
On a besoin de 100 pêches. Ben, on va attendre un peu, hein, parce que les pêches, ça met du temps à pousser. Par contre, du coup, ce que je voulais faire, c'est cuisiner. Ce que j'ai pas essayé, c'est le fromage tout seul. Profite un peu, c'est la nuit, on est arrivé en plus, donc on peut tranquillement. Je vais lui donner une olive, j'en ai plein des olives. On peut tranquillement s'occuper de notre bateau. D'ailleurs, je sais plus si on a acheté l'amélioration qui va nous permettre de voyager de nuit. Aller voir du coup. Overbrook. Et du coup, c'est qu'on a dû attendre les 100 carottes que ça s'est débloqué. Carottes. Non, on est qu'à 37. Hein, donc, Oh! Ah bah. Vu l'ombre, je pense qu'on a gagné un nouveau personnage de justement la Jackie et Daria Update. On va tout de suite interagir avec eux. Et du coup, ça doit être la nouvelle île qui va avec. Ça ne peut pas être bon! Oh! Je ne voulais pas. C'est pas. Hé, attends! C'est toi! Stellers! C'est ton vieux pote, Jackie! Ah, tu viens à ma rescousse! Encore, n'est-ce pas? Alors, laisse-moi te dire que je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me cachais, je veux dire, je prenais une petite pause, ouais, pendant mon quart. Et puis j'ai vu cette vieille machine distributrice. Étrange, je ne l'ai pas vue avant. Et puis, dès que je l'ai approchée, tout est devenu brumeux. Bizarre, meuf, bizarre. Peut-être qu'un truc s'est brisé. En tout cas, on ne peut rien faire jusqu'à ce que la direction envoie l'équipe de maintenance, j'imagine. Je ne peux pas travailler comme ça, je ne vois presque rien. Et en plus, la machine est presque vide. Cette direction à la con ne l'a jamais remplie, bande de paresseux. Mais la bonne nouvelle, c'est que je vois là une bonne chocochoc. Même si j'ai oublié mon portefeuille dans mon manteau là-haut. Et pourrais-tu peut-être l'acheter pour moi? Je te jure que j'ai l'argent, je vais te rembourser dès que je mets la main sur mon portefeuille. Ah, on a des items inconnus. Et on peut acheter un chocochoc pour une lueur. Attention, centre de chocolat liquide à haute pression. Ben, j'achète tout à fait. Oh, oh, oh! Oh ouais, chocochoc, ça cogne, je vais. Mais qu'est-ce que... Waouh, c'était loin. As-tu vu la machine? Elle était lumineuse et tout, comme le truc de luxe que tu as à la ceinture. Oh, cool babiole en passant. Maintenant, au sujet de ce choc-choc. Quoi? La moitié est déjà bouffée? Qu'est-ce que... C'est dégoûtant, tant pis, j'ai plus faim. Tu te demandes pourquoi? En tout cas, on dirait que ce qui se passait, c'est fini maintenant. Ou alors, le vieux Jackie retrouve ses activités normales. Et tu sais ce qui serait amusant? Une visite de l'endroit. Tu n'es pas venu à Overbrook pour rien, n'est-ce pas? Laisse Jackie te faire la visite VIP. Et puis, oui! Ah, je le savais, tu as toujours aimé ce genre de truc. Le chouchou du professeur, tout ça. Je te pige, Stellers. D'accord, allons-y. Et si tu as peur, prends mon bras. Hé. Bon, c'est cool. Ici, visiblement, il n'y a rien. Et ici,
Il n'y a plus de choco-choc. Premier arrêt. Alors, nous avons ici l'aile des admissions générales. Et elle est utilisée par... Hé, c'est Jamie! Jamie, hé! Oui, Jackie. Quoi de neuf? Oh, rien de neuf, rien de neuf. Je fais seulement visiter l'hôpital à ma pote. C'est Stella en passant. Jamie parle pas des orteils, ok? J'ai entendu dire qu'elle en a six et qu'elle est vraiment susceptible. Oh, vraiment? Salut Stella, enchantée. Merci de m'avertir, je ne voudrais pas... Oh là, la dame est fâchée. Relax, Stella, sont plaisantes. Tu sens les fleurs et les bonbons et les bébés neufs. Et ça rime. Je l'ai pas vu là, elle rime. Ça rime peut-être en anglais, du coup. Hein, Jamie? Oh, hein, d'accord, oui! Ah, elle est bonne, Jackie, t'es hilarant! Merci, Jamie, on se parle plus tard! Ouais, désolé, je suis un peu une star locale ici. Ils veulent toujours plus du bon vieux Jackie! Tout le monde m'aime tellement ici que je suspecte certains de jouer aux malades pour pouvoir rester! En tout cas, on continue! Ah oui, il y a effectivement plein de monde. Est-ce que moi je peux leur parler? J'ai eu un petit accident. J'ai éternué si fort que mon repas est ressorti par mon nez. J'espère qu'ils pourront en sauver un peu. Je ne veux pas faire de gaspillage. Je peux sentir mes os, c'est normal? J'ai amené mon chien pour un examen il y a quelques jours. J'espère qu'il va bien. Et on peut pas rentrer. Ok. Un autre ami! Hé, mon pote, qu'est-ce que tu... Enfin, un aide-soignant. Quelqu'un travaille dans cet hôpital? Ho ho. Arrête de saliver et fais ton boulot. Les gens ont faim et cet endroit est dégoûtant. Les gens sont ici pour aller mieux, pas pour être malades. Quoi? Rien à ajouter? Fais pas attention à ce type, Steller, c'est un idiot. Hé, je suis juste ici. Ouais, on continue. Ok, donc on peut prendre la porte. Je suis curieuse. Il a l'air d'avoir plein de choses par là. On va le suivre. J'ai pas fait gaffe, il est monté. Il est monté, visiblement. Oui, j'arrive, et je prends mon temps. Donc ici, il y a d'autres personnes. Salut toi, je suis Flo. Ça c'est Lo. On cherche notre chatte. Elle est assez vieille, mais elle est chouette. Elle ne peut pas être bien loin. Elle est si soyeuse. Elle dort beaucoup. Elle dort parfois sur mon dos quand je lis. C'est pas super confortable pour moi, mais elle aime ça. Alors as-tu vu un autre chat que le tien? Ah ben non, j'ai pas vu d'autre chat que le mien. Dommage, j'espérais vraiment que tu l'aies vu. Bon, on doit pas abandonner. Elle doit être quelque part ici. Mais merci quand même. Donc je pense que si on trouve le chat, on aura une petite quête. Peux-tu le croire? Ce type du culot! Qu'est-ce que c'était que ça? Je suis ici, je me fais chier au travail tous les soirs! Le salaire est merdique et l'horaire est pire encore. Et en plus de tout ça, il y a ce connard en chef qui vient me casser les oreilles avec ses conneries. Cet endroit est dégueulasse et en plus j'ai faim, qu'est-ce que je fais ici? Est-ce que je te dis, moi, comment faire ton travail? Non, non, parce que je sais vivre. Et que je sais pas comment pelleter des nuages de merde. Quoi? Oh, qu'est-ce que c'est que ça, c'est... Oh merde, c'est la chambre d'une patiente très spéciale, très troublée, très difficile. Mais on peut plus monter, de toute façon. L'échelle s'est probablement brisée quand je prenais ma collation. Bon, je peux rien faire jusqu'à ce que la direction soit là, de toute façon. Ça va aller pour un moment. En plus... J'ai vraiment besoin d'une pause. Elle est vraiment exigeante. Est-ce que nous, on va pouvoir sauter? Ok. Pas comme ça. Et ici, on peut pas sauter. Hé, toi! Quel est ton nom? D'où viens-tu? Quelle est ta couleur préférée? Rêves-tu? Qu'est-ce que tu fais tout à l'heure? Aides-tu les gens? As-tu un chien? Pourquoi as-tu un seul chat? Tu n'aimes pas les chiens? As-tu déjà été mordu par un chien? Est-ce que c'est pour ça? Est-ce que la plaie s'est infectée? Est-ce que ton bras va bien? Est-ce que ton bras a enflé ou quelque chose? Peux-tu encore voir de ton œil gauche? Es-tu aveugle maintenant?
vois-tu des points quand tu fermes les yeux? Et tu es allé à l'hôpital pour vérifier ça? C'est pour ça que tu es ici? Alors c'est pour ça? Ok. Peut-être pouvoir grimper en utilisant. Voilà, en utilisant ça. Mais du coup, oui, pour monter en haut, on fera pareil. Je voulais voir si on pouvait essayer de grimper pour aller à la chambre de la fameuse patiente. Et visiblement, pas tout de suite. On fait le dernier arrêt et on s'arrêtera après. Et finalement, la cafétéria! Toujours au travail, pour tous vos besoins en bouillie. Oh, hé, hey, Jackie, de retour de ta pause, hein? Oh, ouais, c'est moi. Besoin de quelque chose? Bon, à plus. Je voulais manger une bouchée, mais on dirait que la cuisine manque de provisions. Ouais, j'imagine. Je te jure, ces idiots là-haut vont nous faire crever de faim. Je suis sûre qu'ils sont tous sur une croisière pour une retraite corporative. Et t'inquiète, Jackie s'en occupe. Bien sûr que si. Merci de veiller sur nous, Jackie. Et ne m'en parle pas. Bon, alors, où est-ce que je... Oh, Stellers! Toi qui es toujours, oh, si utile. Tu n'aurais pas des provisions sur ton gros bateau? 5 sacs de riz devraient suffire jusqu'à la prochaine livraison. Je t'en devrais une. Ok, donc... On peut parler. C'est pas encore ouvert. Crois-moi, tu vas le savoir quand ça sera prêt. Ça va sentir d'une certaine façon. Ok, donc on va pouvoir... faire des choses, mais du coup on va découvrir tout ça lors du prochain épisode. C'est vrai que du coup, comment va-t-on pouvoir rentrer là-dedans? Tout ceci est une grande question. Et on essaiera d'y répondre la prochaine fois. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce. Et je vous retrouve très bientôt pour la suite. Bye bye!